Vas-y, on va jouer contre Ikarim. Alzheimer et pas Oppenheimer le film. Non, je suis désolé. Mais... Là, c'est un rire nerveux. Hein. Allez, hop, toi t'es ban. 10 minutes. Non, non, parce que là, c'est un rire nerveux, frérot. Approche. Non, 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 c'était pour la blague le ban en vrai. Bon, allez, petite game de Skarner parce que Fiddle était ban. Et puis, moi, j'aime bien Skarner en vrai. C'est bien Oppenheimer. Ouais, je l'ai vu au cinéma avec Sakor. Et en vrai, je pense que c'est le genre de film... C'est un peu comme Interstellar, tu vois. C'est le genre de film où je pense qu'à regarder à l'arrache, c'est un peu... Je vais pas dire de la merde, mais si t'es pas dans le mood, c'est pas le film de tous les temps. Mais à regarder dans un cinéma et tout, dans l'ambiance, il est vraiment fat, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Bon, après, ce que je veux dire, c'est pas non plus très compliqué à comprendre, mais bon. C'est vrai que tu vois, il dure 3 heures et les 3 heures, je les ai pas vus passer dans le ciné quoi. On perd à Oppenheimer et je trouve ça déplorable les blagues de comparaison avec Alzheimer. Et qu'est-ce qui se passe là dans le chat? Vous avez décidé de tous pas être drôle d'un coup ou vous êtes fait passer le mot ou comment ça se passe? C'est une compétition? Non, non, mais je demande hein, parce que peut-être je suis pas au courant. Hein. Ah, genre du smite à 600, je sais pas pourquoi j'ai attendu. Eh, c'est big ça. Ok, Karim est top. Oh. Oh, mais c'est. Oh non, dommage. Et il flash. Ah, la winner cut ce soir va être excellente. Hein. On va back là en vrai. Ça donne quoi à part la vision, les trucs au sol? Ça donne 3 trucs. Déjà quand tu le prends ça te donne un peu de gold. Et quand tu l'as, ça donne de la régène à mana. Ça donne de l'attaque speed et ça donne de la move speed. Donc en gros, quand t'es dessus, t'es très très fort quoi. Et à l'impact, quand tu le prends, ça donne la vision aussi. Donc ouais, si tu joues contre un Skarner, faut éviter au maximum de jouer dans sa zone parce que bah, il est beaucoup plus fort quoi. Ouais, bon, la game est gagnée. L'algo positif. Pas si on peut kill. Nice. Bon, toutes mes lanes qui gagnent, sans doute le hasard. Narcus, c'était vraiment le boss, je t'aime trop. Genre, tu m'aimes trop? Genre, comment ça? Imagine sur une échelle de 1, c'est quelqu'un que t'aimes pas. À 10, c'est genre. Ta maman. Normalement, tout le monde est censé aimer sa maman, mais. Oh, t'es avec moi toi. Reviens là garçon. Vous voyez qu'il pouvait me tuer lui. Marboule dans sa tête le cous. Après je crois qu'il y en a qui ont des problèmes de famille et qui aiment pas leur mère. Hein. Alors après chaque vie est différente et tout. Hein. C'est quoi l'item broken là? C'est ça? Que tout le monde fait? Sauf les gens qui ont deux papas. Ouais, c'est vrai. Si Fizz Raver ne veut pas te faire d'enfant, je t'en ferai un millier. Tu sais ce que c'est un millier? Ça fait beaucoup en vrai. Hein. Moi, j'en veux juste 5 pour faire une équipe de LOL ou une équipe de foot ou... Tu vois. Non, en vrai, no joke, hors troll. Je pense que 2 enfants, c'est pixel.
Parce que 1, ça fait enfant unique et bon. Alors que 2, tu vois, c'est bien. Là, il y a le côté un peu frère-sœur où ils s'entraident. Il y en a un qui peut garder l'autre. Ils peuvent jouer ensemble. Ils peuvent jouer en duo bot lane. Ah, c'est pixel. Oula, le smite était un peu aléatoire, mais... Les 0, c'est bien aussi. Je sais pas. En fait, le problème de faire 0 enfant... En fait, ça dépend, tu vois. Il y a les gens, ils aiment pas les enfants, ils veulent pas faire des enfants. Tu vois, bon, ça, c'est les choix de chacun, il n'y a pas de problème. Après, il y a un peu le côté beaucoup qui sont là en mode... j'ai pas envie de faire d'enfants parce que du coup, c'est un travail, tu vois. Ça me fait moins de temps libre pour moi et ça, je trouve, c'est un peu ultra égoïste, tu vois. Genre en mode, non, je pense qu'à moi et... bon, après, t'as le droit d'être égoïste, hein, mais... Mais tu vois, un peu le côté où, non, je veux pas d'enfants parce que j'ai que envie de... prendre du temps pour moi et tout, et je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. Et après, je pense qu'il y a l'argumentaire qui revient beaucoup en ce moment, c'est on est trop sur terre, c'est pas bien d'avoir des enfants, tu vois. Et je pense que ça, c'est le pire argumentaire ever, tu vois. Que si tu pousses le raisonnement de ça, bah, il faut pas vivre, tu vois. Genre vraiment, en fait, il faut dire bah, pourquoi tu manges, ça pollue la terre. Pourquoi tu vis, ça pollue, tu vois, et bon. Enfin, tu deviens suicidaire si t'as ce raisonnement-là, tu vois. Bon, après, attention. Hein. Le but, c'est pas non plus de faire une équipe de foot. De faire 152 enfants. Hein. Bon, la game est un peu chiante en vrai. Depuis que l'autre y troll. Il y a un mood un peu bizarre dans la game qui fait que la game est pas très intéressante, quoi. Oh, il a peu de... Reviens, Jacqueline. Ouais, frérot, t'as claqué ton E devant moi. C'est bon, mon item, on va back. Vouloir faire un enfant est pourtant l'un des souhaits les plus égoïstes. Alors, je pense que... Moi, c'est ma théorie. Après, on peut en débattre, mais je pense que un des maux de la société, c'est que des fois, quand tu réfléchis trop, tu deviens vraiment débile. Et je pense que les gens qui réfléchissent beaucoup à ces questions-là, à la fin, ça leur retourne leur cerveau, ils deviennent complètement cons, tu vois. Et on en arrive avec des absurdités énormes. Et c'est un peu le problème. Moi, c'est ma thèse. Hein. Tu vois. Narcus réfléchit trop. Non, mais en fait, c'est pas une question de... Tu vois, par exemple, tu peux réfléchir trop en maths et tu fais avancer la science parce que les maths, c'est du concret, tu vois. Mais réfléchir trop sur des relations humaines ou sur des trucs, ça te pousse à un moment à... Tu vois, genre... Parce que tu peux tout surinterpréter ou tout sous-interpréter ou tout, tu vois. Je sais pas comment dire, mais bon. Et tu vois, si tu vas à fond... En fait, si tu pars d'un constat et que ton constat est erroné à la base... Et que tu pousses le raisonnement très très loin, bah tu vois, c'est que ta vision des choses et c'est pas forcément vrai, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Alors que les maths ou alors que les sciences, bon, il y a une vérité absolue, tu vois. Et reviens là, toi, garçon. J'ai dit quoi? J'ai dit barre-toi. Bon voilà, tu cherches aussi là. Ah, il va R. Oh, bah, il a pas eu le temps. Tchoum tchoum. Nice. Et il y a l'Herald dans 20 secondes, on va le faire et puis on est bien. Ça s'appelle la pyramide de Maslow. Quand tu n'as pas de problème élémentaire, tu commences à t'en inventer. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je pense que l'être humain, il aime trop s'inventer des problèmes, mais ouais, c'est exactement ça. Tu vois, quand il n'y en a pas, il s'en invente des nouveaux, tu vois. Et le problème, c'est que vu qu'il y en a, l'humain est mal foutu, bah, tu trouveras toujours un truc où t'es pas content, tu vois. C'est comme pour l'argent, tu vois, genre... Tu gagnes 1000 euros par mois, tu veux en gagner 2000. T'en gagnes 2000, tu veux en gagner 5000.
T'en gagnes 5000, tu vas en gagner 10 000. T'en gagnes 10 000, tu vas en gagner 100 000. Et tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a jamais un moment où tu dis, non, là, je suis bien, là. Et bon. Et ben, c'est pareil pour la vie et les problèmes, tu vois. C'est comme la loser Q. Non, la loser Q, c'est différent. Ça, c'est un grand mathématicien et un grand théologien. C'est comme ça qu'on dit. Les gens qui font des théologies. Ouais, c'est ça. Qui a découvert ça, un certain Alexandre Mège. Un grand, grand savant. Hein. Qui a mis, il y a quoi, il y a 5-6 ans maintenant qui a découvert ça, il l'a mis en pratique, etc. Et ouais, un grand homme, hein. Vraiment un grand homme, hein. Un homme qui se battait bah pour les ligues féminines, 4 ans avant tout le monde, pour pas les ligues fermées, 4 ans avec tout le monde. Non, vraiment un grand homme, hein. Si vous le connaissez pas, j'arrive. Non. Oh. 3, 2, 1, maintenant. Ah. Je le savais. Oh non. Ah, je vous l'avais dit, hein. Ok, nice. C'est quoi ton elo? Je suis master sans LP là. C'est quoi son blaze? C'est Alexandre Mège. Faites des tapés sur Google. En vrai, le problème, c'est que sur Google, je pense que tu tapes Alexandre Mège, tu vois un chanteur de Narcus System. Mais bon. Après, c'est ça les grands hommes. Hein. Ils font plein de trucs dans leur vie. Hein. Si t'es pas dehors, t'es avec théologie. Quoi? Ouais, peut-être j'ai pas utilisé le bon mot, hein, mais bon. C'est le mec à gauche sur la photo d'Einstein. Ouais, laisse-moi réfléchir, ouais, c'est ça, ouais. Merci à toi, Ferio, pour le sub. Merci beaucoup. New x 9 EK. Ah, j'avoue qu'EK, c'est pas pardonnable ce qu'il a fait. Bon, il est jungle. Des fois, les jungles, ça pète des plombs, mais... Mais bon. Arrive. Tchoum, tchoum, tchoum. Wesh, petite. Encore, encore. Oh, il est saut. Ah, oh, vas-y, ça va aussi. On le tue, on le tue. Ah, dommage. Anti-Fortnite masterclass. En vrai, moi, la vraie masterclass. En vrai, go faire une tier list de mes chansons. Moi, pour moi, la tier list de mes chansons officielles, ça serait Fiddle, C'est enfin l'été, Anti-Fortnite. Et après, j'en ai oublié une.